Est-ce que tu sais ce que c'est le marketing de réseau Le multi-level marketing ou le marketing relationnel, c'est ce qu'on appelle le MLM Eh bien, on va en parler aujourd'hui. C'est parti Salut, c'est Jérémy. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Frugalisme. Le frugalisme, c'est l'art d'être radin avec son temps, certainement pas avec son argent. C'est l'art d'apprendre à en faire plus avec moins. Tu sais, peut-être t'en as marre de ton travail, t'as du mal à le supporter. Tu sais, tes collègues là qui te gonflent, t'en peux plus. Ton patron qui est tout le temps sur ton dos. Le René là qui, est avec ses réflexions débiles, t'as envie de le jeter par la fenêtre des fois et tu peux pas parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. Il faut bien gagner sa croûte. Il faut bien se sacrifier. Ouais, mais au final, quand on y réfléchit, est-ce que le jeu en vaut la chantelle Tout le temps que tu passe et que tu sacrifies là bas à échanger ton temps contre de l'argent pour une entreprise qui ne colle peut-être pas avec ton éthique avec tes valeurs pour un patron que tu ne supportes plus ben est ce que ça en vaut vraiment la chandelle est ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle tu sais la vie elle passe qu'une fois chaque seconde qui y passe elle est écoulée elle ne repassera pas deux fois au fond est ce que tu crois pas que ce serait peut-être en ce moment le bon moment pour essayer de trouver des solutions pour sortir comme ça de cet enfer du quotidien. Si tu veux passer à l'action et que tu veux sortir de tout ça, eh ben, je propose une formation qui permet d'accompagner les élèves qui souhaitent s'engager sur le chemin de l'indépendance financière, en réduisant leur consommation sans se priver, j'insiste, mais surtout en générant de, des revenus alternatifs. Si ce programme de formation t'intéresse, mais que tu souhaites en discuter pour voir si ça peut coller par rapport à tes ambitions, ton projet, eh ben, t'hésites pas, tu réserves ton appel, c'est gratuit, on en discute ensemble, toi et moi, pendant 15 minutes. Le frugalisme, c'est pas se priver. Le frugalisme, c'est être efficace au quotidien, c'est utiliser à 100% chaque euro que tu possèdes qui est dans ta poche au lieu de les gaspiller, de les faire disparaître en fumée. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de multilevel marketing, c'est-à-dire de marketing relationnel. Et pour cela, j'ai décidé d'inviter Sabrina. Le marketing relationnel, c'est quelque chose qui s'inscrit complètement dans l'idée de générer des revenus alternatifs et aujourd'hui plus au travers de l'entrepreneuriat d'une certaine façon. Mais l'entrepreneuriat, tu sais, c'est souvent un grand problème parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans un business un business internet, même parfois, et ils se retrouvent bien souvent esclaves de leur propre business, esclaves de leurs propres clients. Est-ce que c'est vraiment ça la perspective de liberté qui est la tienne, ou est-ce que, au contraire, ça pourrait être de travailler quand tu veux, avec qui tu veux, sans pression? Sabrina a réussi à le faire. Elle va nous en parler. C'est parti. Merci de me retrouver sur la chaîne Frugalisme. Alors, tu le sais, le frugalisme, ça consiste à en faire plus avec moi, c'est réduire son impact sur l'environnement, tout en faisant des économies et en essayant d'adopter un mode de vie qui soit lui-même le plus possible résilient. Ici, on n'est pas n'importe où, on est dans ta maison, dans ton Earthship. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mets le lien euh, pour que vous puissiez aller euh, jeter un coup d'œil sur ce que c'est un Earthship et regarder euh, leur maison. C'est quelque chose de surprenant qui, à mon avis, va beaucoup beaucoup vous intéresser. Mais c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout la raison pour laquelle on est en train euh, de dis Oh, un petit peu aussi, ouais. Je voulais t'inviter sur la chaîne pour que tu nous parles euh, de revenus alternatifs d'indépendance financière et peut-être de ce qu'on appelle le MLM. Je vais y arriver. C'est ça. On en entend parler pas mal et. Alors pourquoi je te dis un petit peu Parce qu'en fait, on parle aussi d'autonomie. Ah. L'autonomie, okay. c'est la liberté d'entreprendre aussi. Bien sûr. C'est quelque chose que je développe depuis dix ans, mmh. donc avec le MLM, marketing relationnel. D'accord. Du marketing. C'est vrai que sur la chaîne, j'explique que, ben, ouais, avoir des revenus alternatifs, ça peut passer par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat. Alors là, on tombe dans la case plutôt entrepreneuriat. C'est bien ça. D'accord. Entrepreneuriat, entrepreneuria, pardon, euh, complètement différent de ce que j'ai déjà connu avant, puisque j'avais une entreprise avant, qui était mmh. un concept complètement différent. Mmh. Là, en fait, c'est vraiment la liberté d'entreprendre. C'est complètement différent. Là, l'entreprise que j'avais avant, c'était. Euh, c'était, on va dire, euh, prison dorée, on va dire un petit peu, quoi. Il ouais. n'y euh, avait pas de liberté. Ouais, tu plus esclave d'un patron, mais tu étais esclave de ton business, en fait. Du temps et puis de l'argent. C'était compliqué, en fait, pour moi. J'étais indépendante, c'est ce que je cherchais depuis très longtemps. Ouais. Après, je ne gagnais pas d'argent et je n'avais pas de temps pour moi pour prendre des vacances et prendre soin de moi, quoi. Voilà, tout simplement. Et je recherchais ces deux choses-là. Ouais. Et par hasard, ça m'est tombé dessus. Je dis bien par hasard, entre guillemets, ça m'est tombé dessus, en fait, voilà. Et j'ai découvert, dans un premier temps, des produits, parce qu'il y a forcément des produits dans le marketing relationnel. Et puis le concept, j'ai voulu découvrir le concept, comment on pouvait entreprendre librement. C'est quoi le marketing, le marketing, je vais y arriver, relationnel. Moi, tout ce que je connais du marketing relationnel, c'est les réunions tupperware. C'est ça bah, Pas tout à fait. Euh, réunions tupperware, si on veut, euh, on peut avoir des réunions dans mon métier, pour ceux qui le désirent. Moi, j'en fais pas. Mmh. Voilà, je préfère euh, ben, on rencontre des gens tout le temps, tous les jours. C'est peut-être un peu plus long, peut-être. Euh, mais euh, voilà, je préfère plus relationnel, plus intime, que de faire une réunion où ça peut-être embête un peu les gens et j'ai pas envie de ça en fait. Non, c'est normal. Ouais, voilà. Je préfère en parler euh, simplement, euh, librement avec les gens qu'on va rencontrer euh, tous les jours au quotidien. Euh, voilà. Ouais, bien sûr. Et. Et du coup, ça marche comment Je veux dire, comment on gagne de l'argent avec ça Oui, comment on <laughs> gagne de l'argent avec ça Eh <laughs> bien, c'est un métier hein, qui n'est pas toujours facile, il faut le dire aussi, hein, c'est du travail. Euh, ben nous, dans mon MLM, voilà, on va avoir un produit qui est forcément, puisque c'est du marketing relationnel. Donc, on a un produit. Donc, moi, je travaille avec des produits de santé, d'hygiène et de beauté. Des produits en fait que j'ai vraiment adoptés, on a adopté à la maison euh, et euh, on n'a que ça à la maison. Euh, voilà, c'est une marque extraordinaire. Voilà, euh, on aime ces produits-là, on en parle autour de soi parce qu'on va pouvoir toucher toute la population. Donc, euh, tout le monde a forcément euh, parfois des baisses de forme, tout le monde se lave les dents, tout le monde se lave les cheveux, voilà tout simplement. Et donc on va pouvoir avoir une partie donc de notre activité à proposer des produits. Et l'autre partie de notre activité, c'est de proposer une liberté d'entreprendre, donc soit pour avoir un revenu complémentaire ou en faire une activité à temps euh, complète en fait, hein. ah oui. complet. Des... donc toi, c un... c ça fait partie des choses qui t'ont permis d'arrêter de... De... de de bosser en quelque sorte, c'est ça Alors je travaille. <laughs> enfin, de... 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 oui. Je... <laughs> Mais autrement. Ouais, ouais. D'accord. Donc avant, j'avais une entreprise, donc j'étais prise, voilà, beaucoup de temps dans ma journée, dans les semaines, euh, et c'était pas vraiment, c'est pas ce que je voulais de, de l'entrepreneuriat. Je voulais pas ça. Je, je pensais qu'on était beaucoup plus libre, mmh. et pas du tout. En fait, fallait vraiment que je bosse énormément. Mmh. Et je, 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 comme je disais, je, je cherche en fait, autre, chercher autre chose, vraiment avoir du temps et de l'argent. Et ce concept me, me l'a fait découvrir hein, par hasard. Par par un accident de la route qui m'a fait d'abord découvrir les produits. Et puis ensuite, ben, on, a, on, a, on, a, on a utilisé ces produits à la maison, mon mari, et puis, euh, puis tout le monde, la famille, etc. Et puis on est tombé amoureux, et puis, euh, et puis on s'est dit, mais comment, enfin moi surtout, je me suis dit, mais comment ça marche quoi comment on, comment on fait pour avoir du temps et de l'argent La santé, on l'avait, hein trois choses essentielles dans la vie, c'est quoi C'est la santé, c'est l'argent et le temps. Donc la santé, je savais qu'on pouvait l'avoir avec ces produits-là. Maintenant, comment on fait pour avoir du temps et de l'argent oui. ben, On m'a expliqué le concept. Je dis, ben, c'est génial, c'est ce que je recherche dans mon activité. Bien sûr. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démarré en parallèle de ce que je faisais déjà. Et là, je n'avais vraiment pas le temps de démarrer ça. Mais je me suis dit, c'est ça qui va me faire sortir de ce que je ne voulais plus. Tu avais senti que c'était là-dedans qu'il fallait que tu t'engages, ouais. même si c'était pas encore une activité très très rémunératrice. C'était pas rémunérateur, c'était euh, euh, dans le flou. Je ne savais pas comment ça marchait. Je ne sais, je, bon, on a fait plein d'erreurs au départ. Bah oui, donc il faut se former, et puis au fil du temps, bah, on comprend des choses, puis au fil du temps, on forme les gens. Mmh. Et donc euh, au bout d'un an et demi, en fait, quand je me suis, bah, je me suis posé la question, il fallait que je fasse un choix entre mon activité que j'avais donc ma boutique, ou alors le, le marketing relationnel. Et, et je me suis... Euh, voilà, j'ai fermé ma boutique, je me suis lancée à fond dans le marketing relationnel, parce que c'est ce qui me permettait d'avoir cette liberté, liberté mmh. d'entreprendre. Tu, tu, de, tu travailles de où tu veux, tu, de n'importe quel pays, puisque nous, on n'a pas de frontières. Tu travailles avec qui tu veux, tu enfin, puis avec des produits formidables. Il te faut quoi ouais. Il te faut une connexion Internet, c'est ça Ouais, c'est ça. Une connexion Internet, ça suffit. Impressive. Et puis aimer, aimer ce que tu fais. Et puis aimer les gens aussi, puisque et dans relationnel, hein, marketing ah, relationnel, ça. ça laisse à supposer qu'on va euh, tisser des, des liens. Euh, mmh. euh, aimer même, les euh, gens, les accompagner, les faire, accompagner, les faire euh, voilà, s'élever. et puis. Euh, Révéler le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, voilà, c'est ça. <laughs> ben ouais, non, mais c'est super. Alors, le MLM, moi, j'en ai entendu parler. Mais alors, on m'a dit, euh, méfie-toi, parce que le MLM, hein, tu, tu sais, des fois, on met des nouveaux mots sur des concepts qui existent déjà. En, là, en l'occurrence, le marketing relationnel. On m'a dit, méfie-toi, c'est du scam, c'est des arnaques, c'est des pyramides de Ponzi. Oui, c'est normal qu'on ait cette, euh, euh, cette idée, en fait, parce qu'on bah, ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Ouais. Quand on explique ça, ça paraît simple. Il y en a qui expliquent ça, en fait, euh, aussi d'une manière. Euh, un peu trop facile. Mmh. C'est vrai que c'est simple, c'est pas toujours facile, d'accord. Donc, est-ce euh, que ça reste un métier, ça reste un travail et il faut euh, on travaille dans le relationnel et l'humain, c'est pas toujours facile. Ah ben Donc, euh, faut apprendre en fait euh, à, à travailler avec, euh, avec beaucoup de gens différents aussi. Donc, on fait beaucoup de formations aussi mmh. euh, et euh, la différence après, on découvre aussi que bah ok euh, c'est de l'arnaque et tout. Bon, on va voir. Du coup, hein. c'est vrai que bah, on nous dit ça, ok, on entend. Bien sûr. Donc, on se dit, ben, on va peut-être aller vérifier quand même. Donc, on va vérifier, bon, on continue, parce qu'au fond de nous, on a cette petite voix qui nous dit, ben, c'est pour toi, vas-y, fonce, quoi, c'est pour toi. Et euh, on va vérifier, puis on se dit, ben, ça n'a rien à voir avec, euh, avec, euh, avec la vente pyramidale ou des choses comme ça, parce que déjà, c'est interdit en France, c'est une société qui existe depuis 40 ans. Donc, si ça ne ferait pas 40 ans, je veux dire, si c'était interdit, il euh, y a longtemps que ça n'existerait plus. Et il euh, y a une grosse différence aussi avec la, les sociétés de pyramidales, parce que déjà, il y a du produit, il mmh. y a du conseil. Euh, y a, y a, on n'est pas rémunéré par les partenaires que l'on va en fait euh, intégrer dans notre activité. On est rémunéré par la, le partenaire avec qui on travaille. Donc, ça, c'est une grosse différence aussi. Ah, oui. et, et la différence aussi, c'est que tout le monde peut arriver au même résultat. Il n'y a pas un qui sera plus fort que l'autre. Hein. Selon ce que tu vas donner en fait comme travail, et eh ben en fait, tu, on peut très bien tous arriver au même résultat. Voilà, à chacun de donner en fait ce qu'il a envie de donner. C'est quoi les prérequis Il Faut des diplômes Il Faut une formation Ça se passe comment Alors absolument pas. Pas de diplôme. C'est juste envie en fait. Hein. C'est euh, c'est se dire ben voilà, j'ai envie d'entreprendre. J'ai envie d'entreprendre. Ça, c'est vrai. C'est pas un diplôme, mais c'est de se dire, voilà, j'ai envie de, de gérer ma vie et d'entreprendre. C'est uniquement le diplôme qu'il faut, en fait. <laughs> voilà. Après, faut après, faut alors... te le mettre dans la cervelle, hein, le bah, diplôme. C'est ça. Pas... Hein, oui, oui. C'est avoir un esprit d'entrepreneur, et Bien ça, sûr. ça peut se travailler aussi. On fait des formations aussi qui accompagnent aussi les gens à, de se, dire, à se dire, ben moi, je, maintenant, j'entreprends. Parce que c'est pas dit à tout le monde d'entreprendre. Ah, tu, tu fais aussi de la formation, c'est ça oui. ouais, D'accord. Oui. On accompagne les gens à développer justement cette activité. Ah oui. Les formations sont gratuites. <laughs> et en plus, c'est gratuit. Eh ben, allez-y, vous seriez bête de passer à côté. Hein. Quand c'est enfin, gratuit, c'est en encore mieux. Tout est gratuit. Enfin, pas tout est gratuit, mais je veux dire, après, c'est juste de s'approprier les produits, les aimer. Et puis après, on, on voit comment on peut euh, ben, les, les, les conseiller. Et puis euh, après, développer ce concept aussi. Qu'est-ce que tu euh, dirais à quelqu'un qui s'intéresse à, à ça, peut-être, qui essaye de générer des revenus alternatifs, qui se pose probablement un million de questions euh, de savoir par quel bout attaquer, par quel bout commencer, qui aller voir, quelles ressources Comment attaquer bah Déjà choisir le partenaire qui nous convient, le produit qui nous convient le mieux. Donc euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce concept-là, même si c'est tombé un peu par hasard, c'est... Euh, le fait que ce soit des produits consommation quotidienne, ah oui. ça ça m'a plu. Euh, plutôt que comme tu disais tu te, tout à l'heure, tu perroirs ou des ventes de produits comme ça où euh, bah là forcément euh, des clients, il faut aller en chercher. Et tu es plus dans la vente directe que dans du marketing relationnel. Donc, plutôt des produits consommables, comme des produits, euh, bah en, en l'occurrence, d'après ce que tu me disais, plutôt cosmétiques en ce qui te concerne, mais ça pourrait santé, être éventuellement santé, voilà. aliment, des compléments ouais, alimentaires je, je, des produits. J'aime bien comme développer ça. le côté santé. Santé, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je comprends tout à fait. Ok, ok. Plutôt que des, des produits ou des appareils que. Bah voilà, ça dépend encore une fois, ça dépend dans, dans quoi. On... Moi, je n'aime pas vendre. Je n'aime pas vendre, donc je vais pas aller faire des réunions de vente, je déteste ça. C'est dur. Donc moi je préfère, on va dire vendre entre guillemets un concept de vie, c'est ce que je fais, plutôt que de vendre un produit. Oui. Ça va, en, ça va ensemble de toute façon. D'accord, mais c'est vraiment faire euh, réveiller les gens et de leur dire, mais voilà, vous avez moyen en fait d'entreprendre autrement et librement et simplement, pas toujours facile. Hein, je le redis. Parce que c'est un travail, mais euh, plus facilement en fait que d'entreprendre euh, ou de, de travailler pour un patron. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans ta manière d'aborder les choses, c'est que tu as commencé par m'expliquer qu'il s'agissait de produits que tu consommes. Bien Et sûr. on voit des tas d'entrepreneurs ou des gens qui vendent des, des choses ou des cochonneries achetées, je ne sais où, euh, n'importe quoi. Euh en Chine ou quoi encore qu'il y a des choses qui sont très bien qui viennent de Chine mais qui, dont ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs c'est ça que je veux dire hein, qui ouais. se disent oui c'est bien c'est bon pour le client c'est bien pour faire des sous quoi. Voilà. encore une fois euh, euh, voilà moi j'aime pas vendre et je veux pas avoir cette étiquette là de se dire je mets le pied à la porte tu m'achètes quelque chose ça. donc non pas du tout en fait c'est vraiment moi je suis ma propre vitrine ouais. et en fait les gens voient tout simplement bah, voilà comment tu fais pour avoir euh, des cheveux comme ça comment tu fais pour avoir une vitalité comme ça comment tu fais pour... Euh, Régler tes soucis de santé, comment tu bien. fais pour... Voilà, c'est en fait, on est notre propre vitrine. Et si tu n'aimes pas tes produits, ben, tu ne peux pas en parler. C'est pas Ça, possible. Ben, tu ne peux pas en parler. Et puis, si tu n'aimes pas le concept, tu ne peux pas en parler non plus. Il faut être amoureux du produit, il faut être amoureux du concept. Voilà. Après, tu n'es pas amoureux tout de suite, il faut un certain temps, en fait. Hein. Après, le concept, tu peux l'avoir entendu euh, euh, de, de différentes manières et puis te dire, ben, c'est peut-être pour moi, peut-être. Puis, tu as le déclic avec le produit. Mmh. Tu dis, ah, mais ce produit-là m'intéresse. Et le concept, comme j'avais déjà compris, et eh ben voilà, je vais développer. Eh ben merci beaucoup Sabrina, c'était un plaisir de t'avoir euh, sur la chaîne. On aura certainement encore euh, l'occasion de discuter une prochaine fois. Bah, merci, écoute, merci, à toi Jérémy, je te dis à très bientôt. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. Salut. Ciao, merci, merci. salut. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Il y a toujours le guide des techniques frugalistes. Il est gratuit, 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations sur mon site internet www.lefrugalisme.com si tu veux passer à l'action. Sache que je propose désormais un programme de formation complet pour t'accompagner au quotidien sur le chemin de l'indépendance financière. Dans ce programme de formation, je propose également, c'est inclus dedans, 4 heures de coaching entre toi et moi pour qu'on puisse vraiment essayer de décoincer les problématiques qui sont les tiennes selon ton profil, selon tes ambitions. Si ce programme de formation t'intéresse, mais que t'es pas sûr si ça peut coller par rapport à tes ambitions et ton projet, et ben, tu réserves ton appel et on en discute gratuitement, toi et moi, pendant 15 minutes. C'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée. Merci, salut, ciao